Hey, cucu mes petits culs, bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue. Pour une fois, n'est pas coutume, on vous accueille sous la pluie à Windenburg. Mais Aewa n'est pas encore levée. Oh, quel joli petit réveil magique, il est bonne humeur, il rigole, oh là là, mais qu'il est fabuleux ce petit Aewa. Oh maman, maman, maman. Ah ouais, c'est pas juste une petite pluie, hein. On est sur un beau bel orage là. Ah ouais. Ah ouais, je vois, je vois. En tout cas, le temps avait envie de débagouler aujourd'hui. Et c'est ce qu'il fait. Aewa, il brave la pluie, les orages. Pour parler à ses plantes, parce que son besoin social, voilà. Bon, sinon, on est dimanche. On va s'occuper encore, comme la dernière fois, je pense, à l'escalade. Pour attendre, bah, tout simplement, le prochain départ à Salvadorada. Qui est le mercredi. Du coup, c'est pas... Oui, avec le temps, j'ai décalé de 3 jours. Au lieu de partir lundi, on part mercredi. Mais au moins, c'est fait. Hein? Voilà, au moins, on suit bien la tendance, quoi. On est au parc de là, hein. Tu vas commencer à me faire un peu de promenade méditative. Voilà, on va se balader, on va voir s'il y a des mouchoirs qui sont là. Ah bah. Tu vas pouvoir leur faire un vœu aux petits mouchoirs là. Oui, alors vous aimez bien dans les commentaires me dire, mais non, mais c'est pas des mouchoirs. Ou les bestioles. Ah mais c'est des mages. Oui, non, mais je sais qu'ils ont un nom et tout, mais sauf que c'est trop compliqué pour moi pour les dire. Et puis j'aime bien dire des conneries, donc voilà. Regardez comme il est joyeux. C'est une promenade, ça? T'es en train de courir? Bah écoutez, s'il a envie de se promener et de courir en même temps. Ah non, il était venu faire les vœux avant. Ah, oh, excusez-moi. Une énergie magique envahit Aewa, le remplissant d'une aura positive qui le submerge. Les esprits de la forêt sont tellement charmants. Mais oui, tellement, mais moins charmant qu'Aioa, quand même, pas déconner. Donc, du coup, il a rien gagné, même pas un Pokémon et tout. Ouais, la vache. C'est des radins, ces mouchoirs. Tandis que ce coup-ci, Aioa profite de sa petite balade. Regardez, comme ce qu'il est beau. Il a le sourire. Ah là 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 là, ça fait du bien. Oula, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais à tout moment, je m'attends à ce qu'il se fasse attaquer par les bestioles. Mais là, ça va, s'il quitte la forêt de bambou, on est un peu plus tranquille. Bon bah il y retourne. Pariez combien qu'il va se taper encore les chenilles de Tchernobyl? Oh, Ah bah non, il a fini là. Ah bah ok. Mais écoute, tu peux venir ici, faire du vélo. Voilà. Bah qu'est-ce qu'il veut lui? Toi tu vas examiner et tu vas tenter de grimper. Enfin pas tout de suite grimper parce qu'on va mettre ton truc avant. Parce que forcément, si tu grimpes sans ton équipement. Ah tu vas... Il faut que tu le répares. Ouais, ça va, c'est facile. Hein. Et bah voilà. Tu les as écrasés, mais qu'est-ce qu'il est fort. Je m'en doutais hein, qu'elles allaient l'emmerder. Donc tu retournes là. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi jeter le matériel d'escalade? Ah bon bah examine et tente de grimper, hein, même si t'as pas le matériel, c'est pas grave. Le jeu m'a troll encore, il m'a arnaqué là, ça ne vend pas du tout. En plus, il va grimper avec sa petite chemise ouverte et ses petites sandales, ça va être beau, tiens. Tu me diras, le autre à côté, il est en tong, hein, et ça l'empêche pas de grimper non plus. Hein, donc. Allez, Aioa! Vas-y! Oula! Bon, ça va, t'es juste au-dessus, hein, tu vas pas te casser quelque chose. Hein. Bon, c'est vrai que ce truc-là, il est un peu plus grand hein, que ceux qu'on avait là-haut. Puis au moins, ici, il n'y a pas d'orage, donc c'est agréable. Oula! 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 Viens là, mon petit, viens là, mon petit. Ah, je trouve qu'il s'en sort, moi. Je trouve qu'il s'en sort bien. Je mets dans ce sens-là pour qu'on voit bien. Bon, il a le plumbum dans plein la tronche, mais oui! Mais il a réussi, cet animal! En claquette, chaussette! Non, juste en claquette. Bah tiens, regarde ce qui t'attend. Creuse à la recherche d'un trésor. Creuse et creuse, mon petit. C'est pas comme si on avait galéré. De toute façon, tu l'auras pas, hein, le dernier calcaire, hein, s'il est à Salvadorada. Tu vois, s'il était là au Mokomorebi, moi, je casse tout. Non, bah finalement, il a rien trouvé de mieux. Et ici, bah y a rien, quoi. C'est quoi ça? C'est de la sauge et des oignons. Bah en fait, on s'en fout. Et en plus, on peut pas aller plus loin. Ok. Bon bah écoute mon gars, tu vas redescendre?
Allez, c'est parti. Escalade puissance max. C'était une descente sans encombre. Tu vas retenter de grimper. Non, pas les nuages, mais. Fais pas ton teug, Gaïwa. Allez, tu regrimpes. Tant pis pour ton matos, hein. Allez, tu vas y arriver. Par contre, c'est tellement chiant parce que quand on veut regarder, on veut suivre un Sims, ben on est vite emmerdé avec la caméra, quoi. Donc comme ça, au moins ici, on voit bien. On voit bien grimper. On a un petit lézard sur son muret. Avec ses sandales. Mais il s'en sort! Mais c'est Iowa aussi, c'est un explorateur, il est fort dans tous les domaines. Et c'est une victoire pour le beau mec! Comme ça, vous verrez son petit boule aussi. Et il a encore réussi à grimper! Il est trop fort. Et ici, c'est une descente parfaite. Sans encombre! GG! Mais il est content! Oh bah. Oh bah, vas-y, bah tombe! Blessé, contusionné. Raison se blesse. Ah, Yawa s'est fait une grosse blessure récemment. Sa pitoie sont un peu sur son sort. Oh, bichette. Ne grimpe pas. Oh, bah, il avait chaud là. Il commence à se dépoiler. Regardez-le. Il est là. Il fait. Ah. On m'a demandé d'arrêter? Ouais, mais moi j'étais bien parti pourtant. Vous voyez que c'est un peu chiant. Un bichette. Bah, écoutez, peut-être que. S'il y arrive. Bon. Ouh là là. Ah, ouais, mon bichon. Allez, on va rentrer. On va prendre soin de toi. Ah oui! Bah oui, quand on rentre, du coup, c'est toujours l'orage. Hein. Vas-y, rentre vite! Ah, bichette! Bon, par contre, s'il y a un domaine qu'il ne maîtrise pas encore, c'est la cuisine. Mais il fait ce qu'il peut. Mais bichon, alors, il a faim, mais il a échappé belle. Allez, ouah, tellement mal. Il s'est gravement blessé récemment et la souffrance est encore à peine supportable. Oh non! Oh, je sais que dans les viewers, dans les abonnés, il y en a beaucoup. Qui voudront s'occuper de lui. Ah bah voilà, il va beaucoup mieux. Ouais, il a cuisiné un onigiri, pardon. Ça a l'air pas mal. Vous voyez, 23h, Bichette, il se fait. Oh, il est pas bien. Allez, tu vas même prendre un bon petit bain de mousse. Je pense que ça va te détendre, mon biquet. Et après, tu pourras peut-être aller te coucher. Tranquille, Emile. Voilà, un bon petit bain pour se détendre. Se masser les muscles et il s'est amusé aussi. Ah, mais comment il marche celui-ci là maintenant? Qu'est-ce que tu nous fais? Oui. Tout va bien. Ok, c'est bon, il pourrait se coucher. Aujourd'hui, on va terminer les objets à authentifier, sachant qu'on va en avoir d'autres. 8000 simflouz de facture, et puis comme ça, on sera prêt hein, pour Savadorada. Je ne sais plus combien tième du nom, hein, mais on sera prêt. Ah, ça a l'air d'être authentique. Ouh, un beau vase en or. Ah, bah c'est un nous celui-là. Donc tu vas le renvoyer au musée. On va bien finir par authentifier ceux qu'on a reçus. Ouais, ça c'en est un autre. Oh, il est beau. Et c'est encore un nous. Bah écoute, tu l'enverras au lycée. Au musée également. Oh là là, la tristesse. 8000 simflouz en moins. On est redescendu à 700 213. C'est triste. Oh, ben voilà. Authentique, mais par contre, il est pas. Voilà. Allez, on va renvoyer l'objet ancien. 3210 de plus dans la carcasse. Bah oui, hein, ça fait du bien de repasser bien au-dessus des 103 000, des 700 000, pardon. Pas des 103 000. Pfff! 103 000! Bah c'est le minimum. Franchement, quand on va à Salvadorada, quand on revient, on a forcément 100 000 boules. Hein, mais voilà. D'ailleurs, j'y pense pour vous tenir informé un peu de sa future maison. Eh bien, elle avance plutôt pas mal parce que maintenant, ses appartements. Privé à Iowa, parce qu'il aura une partie complètement privée à lui. Ben ça y est, c'est enfin terminé. Il peut y vivre du coup largement, mais il reste encore un deuxième étage à faire. Le deuxième étage, ce sera eh bien toutes les chambres et les salles de bain pour les candidats du bachelor. Voilà. Oh oui, puis hop, celui-là, tu vas faire don au musée. Donc il pourrait bientôt peut-être y habiter, peut-être pas, parce que ça va coûter cher au niveau de facture, moi je vous le dis. Pour l'instant, le manoir est à 500 000 simflouz, comme il reste tout un étage à faire, plus le jardin. Je vous laisse imaginer un peu la facture. Allez, encore un truc d'authentique. Faire don au musée. Nous, on est généreux. Tu vas authentifier. Bah, le masque, vu qu'il nous reste que ça, et on n'a même plus de mode de terre.
On va être fin prêt hein, quand même hein, pour ce dernier voyage. Enfin, je dis un dernier voyage, ça va dans, comme si c'était vraiment le dernier. Malheureusement, sûrement pas, parce qu'il faut toujours compléter les reliques et le dernier calcaire. Et voilà, et le dernier, eh ben, c'est notre petite paye. Vas-y, on a presque, en deux objets, on a presque remboursé nos factures de la semaine, quoi. Je trouve ça cool. Qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va faire des recherches. Bon, écoutez, hein, s'il a envie. Qu'est-ce que j'ai encore vu passer? Ah, oh, c'est quoi cette meuf encore? Mais qu'est-ce que c'est que toute cette meuf? Maria Fernanda Mesa. Oh, plutôt pas mal. Dis donc, va lui signer un autographe à cette demoiselle. Et peut-être un peu plus, peut-être. Bon, bah, elle est ravie. Un petit autographe par-ci, un petit autographe par-là. Elle est plutôt mignonne, une jolie couleur de peau. Hein. Des fringues, bon, c'est discutable, mais bon, au moins ça met sa couleur de peau en valeur. Et ben, écoute, vas-y, hein, n'hésite pas, hein, Ayura, franchement, n'hésite pas. Ah là là, quel dragueur. Quel dragueur. Oh, t'as vu mes muscles? Hein, tu veux les tâter, hein? Vas-y, viens. Non mais regardez, elle est déjà enjôleuse. Mais voilà, en deux, trois coups de cuillère à peau, comme on dit, Iowa, il emballe, hein. Voilà, on est déjà en échange amoureux. En même temps, la meuf, elle a trouvé son adresse, elle s'est dit, attends, je vais peut-être tenter mon coup, il est beau, il est riche, il est tout ça. Elle a raison, et ouais, qu'est-ce qu'il voit lui? Il dit, ouh, me colle à l'heure mignonne celle-ci. Comment ça? Eh, tu viens pas pour la guichet pour après partir, mademoiselle, hein? Ah non, tu reviens tout de suite. Mais qu'est-ce que... Elle est partie planter les trucs dans mon jardin. Mais elle est folle celle-ci. Bah voilà, hein. Pas besoin d'en faire des tonnes. C'est déjà emballé, c'est déjà pesé. Regardez-la, elle. Pendant qu'il mange son petit plat, elle est en PLS à côté. Elle a qu'une envie, c'est de se faire croquer. Oh là là. Oh là là, c'est chaud. Oh! Mince, y a Kyoshi! Oh, faut pas qu'il vous voie. Allez vite dans la chambre. Allez, zou. Enchaîner ça parce que là il va non ça va il regarde pas du bon côté de la porte-fenêtre mais on n'est pas loin du drame hein. Ouais, il tire déjà une sale tête hein. Allez c'est parti pour une petite séance. Ah bah bah non alors vu qu'il se couche directement j'ai pas compris. Mais on a la musique du crac-crac sans le crac-crac et il dort direct. Ok bon bah tout va bien dans les Sims. Oula, 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 attendez, parce que là, moi, il n'y a pas eu de crac-crac, tu vas te lever. Tu vas te lever, tu vas la rattraper. Parce que c'est bien beau de dormir, mais à un moment donné, faut passer aux choses sérieuses, là. Jacqueline, reviens! Il faut pas déconner, hein. Iowa n'est pas encore du genre à dormir avec une fille sans la toucher. Ni même dormir avec un mec sans le toucher. Juste, hein, ça changera évidemment avec la personne qui aura gagné le bachelor, mais pas avant. Ah bah voilà! Là on est d'accord, là c'est du crac-crac. Oh et ça se passe déjà très très bien. Et bah voilà, maintenant il est content. Cette bonne humeur qui commence cette nouvelle journée en puant un petit peu, mais c'est pas grave, il va aller se délasser dans son bon petit bain. Ah, pour se laver aussi de la crasse de cette matinée torride. Eh mais quand même, niveau 7 de la compétence cuisine. Attention, ça rigole pas tant que ça, hein. Ouais. Un petit bol d'air pur face à la mer. Ah, si seulement il pouvait se baigner. Mais c'est pas possible, en tout cas, ça reste quand même agréable. Puis je pense qu'on va retourner à Monkomorebi pour escalader. Allez, on a racheté du matos d'escalade. On y retourne. Cette fois-ci, je suis au bar, toujours du même quartier. Je me rends compte que j'avais pas été voir. Mais elles sont trop cool, ces tables. Et madame aussi, elle a l'air cool. Ah ouais, bah écoute, vas-y, hein, présente-toi. Et je pense qu'on a une nouvelle radio, effectivement. Et
Je me souviens pas avoir vu ce bar non plus. Enfin bon, je découvre des trucs encore maintenant sur Escapade. C'est tout va bien, normal quoi. Oups, oups, il y a Renata qui est là. Bon, on fera rien avec celle-ci aujourd'hui alors. Mais oui, Ayoa, t'as raison. Sors ton vélo dans le bar. C'est tellement logique ce que tu fais. Oh là là. Maintenant, il va nous faire le parcours sportif. C'est pour ça qu'il a, il monte ses petits muscles. Oh, et puis il trotte. Oh, c'est mignon. Ah non. Ah non. Ah, saleté. Mais j'ai racheté des poudres exprès, là. Pourquoi tu t'en es pas servi? Bon, d'accord. Bah, il va continuer à vélo. Pourquoi pas, hein. C'est l'amour de sa vie, ce vélo, j'ai l'impression. Il fait tout. Et il fait rien sans lui. Voilà. Oh bah tranquille. Cette semaine, Ayoa a gagné 35 000, je sais pas combien. 368 simflouz d'intérêt. Bah c'est super, mec. Super. Allez, encore les bestioles. Ah non, c'est ces trucs-là en plus. Ah, oh, vas-y, eh. Même pas elles te font peur, ces bestioles, t'as raison. Et c'est reparti sur son vélo. Mais... il commence à sérieusement me casser les noix en fait, parce que il enlève son vélo, il s'y remet, il s'enlève, il s'y remet. Juste pour faire ça, tu te fous de moi un peu, non? Oh. Ah, les mouchoirs sont bien là. Tu vas venir faire un vœu? Ouais, Ayoa, il va faire que des vœux, il va être sympa. Et puis ben, tu vas revenir ici pour t'entraîner à l'escalade encore. Mais il y a encore ces saloperies de bestioles! Oh! Refais un vœu ici, parce que tu l'as toujours pas fait. Et on va revenir ici pour l'escalade. Alors, qu'est-ce qu'elles vont te donner? Une étrange pointe d'énergie. Super. Bon, Ayoa, au lieu de faire le gogol, tu vas tenter de grimper. Mince! Oui, non. Bah non. Bah non. Bah tu vas pas tenter de grimper tout de suite. Tu vas remettre ton équipement. Allez. Mettre le matériel. Oh là là, c'est super. Oh, moi j'adore la nature. Oh là là, j'ai des belles chaussures maintenant. Allez, go. Et c'est un win pour Ayoa Jones, l'incroyable, l'inénominable collectionneur et aventurier de tous les points de vue. Mais tout devient trop facile pour cet homme-là. T'es à combien en escalade du coup là? Oula, mais il maîtrise tellement de choses. Escalade 3? Même pas 3,5? Ah bah, vas-y mon coco, hein. Bon, comme vous voyez, il se fait tard. On va refaire une dernière montée. Enfin, s'il y arrive, hein. Allez, Clodo. Enfin, Claudio. Enfin, Jean-Claudio. Oui, parce que c'est pas un Clodo, quand même. Faut pas déconner. Avec 700 000 balles dans la poche, tu crois vraiment qu'il est clochard, celui-là? Mais au moins qu'il monte. Et puis, bon, on n'aura pas beaucoup avancé l'escalade. Hein. Ça a l'air d'être méga long. Et ça, c'est chiant. Mais c'était une réussite. Allez, bah, maintenant, tu descends. Et puis après, on rentre à la maison. Ah bah voilà, nous sommes rentrés. Alors, première chose, tu vas aller aux toilettes. Deuxième chose, tu vas te remplir le bidou avec de l'onigiri, là. C'est bien, c'est très très bien. Au niveau divertissement, tu vas quand même te détendre devant la Teloy. Et puis après, ce sera un gros dodo. Et demain matin, ce sera enfin Salvadorada. Et c'est là-dessus que moi, je vais vous quitter pour cet épisode, puisque Ayoa par se coucher. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour retourner enfin à Salvadorada. Et peut-être, enfin, avoir les restes de reliques qui nous manquent. Et surtout, le calcaire. Mais ça, ce sera une autre histoire. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la chaîne, comme d'habitude. Ciao !